vous aimez le karaté, la muscule et toutes sortes de protections corporelles, c'est cool, mais est-ce que vous protégez votre connexion? Avec NordVPN, mettez une barrière de kung-fu sur votre connexion! Et surtout, surfez sur les internets en toute discrétion! Grâce à NordVPN, le monde est à toi! Juste en changeant de serveur de pays, vous pouvez contourner la géolocalisation et streamer tous vos catalogues préférés dans tous les pays du monde! Frère, tu regardes quoi? Kung Fu Panda en version japonaise. Et il a bien raison. Avec NordVPN, tu n'as aucune conservation de tes données. Je crois qu'il veut me conserver! NordVPN, la possibilité de connecter 6 appareils en simultané. Regardez 6 épisodes en même temps, c'est ma passion! Avec CyberSec, protégez votre navigation, bloquez les pubs et les malwares! Stop les loulous. Dispo en français sur Android et App Store avec un service client costaud en français 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Wow! Alors si vous aimez la justice et la castagne, profitez d'une giga réduction, d'un mot offert et d'une garantie de remboursement de 30 jours avec le code JérémyVPN en cliquant sur le lien dans la description. Bah là là, frère, comment elle défonce la vidéo? Elle défonce pas, non. Comment ça, elle tue sa grand-mère, la vidéo. Ah, voilà, voilà. Brother for life. Let's go. Eh, frère, en plus, on s'est fait 150 balles de bénéf. Elle est pas belle, la vie. Comment ça, 150 balles? On a été payé 1500. Quoi, alors? Eh, t'es un débile, en fait, ou quoi? Il y a 1350 euros de matos, 150 balles, je te parle de bénéf pur, frère. Elle est belle, non? Mais d'où elle est belle, 150 balles? C'est pas bien. Frère, j'ai une idée de ouf. Je vais faire du cinéma. T'es un poids dans ma vie, Vincent. Frère. Vas-y, ouvre là, t'as tes clés, oui. Hey, tu peux pas faire une crise de la quarantaine comme tout le monde, toi, je sais pas. Acheter une voiture rouge, faire une teinture blonde, c'est un truc normal, quoi. Hey, vas-y, fous-toi de ma gueule. Tu sais quoi, tu veux pas aller te foutre de ma gueule un peu plus loin, s'il te plaît? Parce que là, je prépare l'appart, là, je vais faire un film. Et c'est quoi aujourd'hui? Je vais faire des castings. Du quel casting tu parles, frère? Hey, le délire de réalisateur, c'est juste pour payer le loyer, hein. Hey, mais toi, en vrai, j'ai remarqué, jamais tu crois en moi. Et tu sais quoi, on verra quand je connaîtrai v'là le monde dans le cinoche, que moi je ferai des soirées, toi seras comme un clodo là sur le canapé à manger des vieilles biscottes avec de l'eau. Comme un clodo, d'accord. Et la caméra, tu la payes avec quoi? T'inquiète. Ouais, le loyer aussi, on va le payer avec des t'inquiète. Eh vas-y, ferme ta gueule, je crois, il arrive là. Pourquoi qui il arrive? T'as pas fini, c'est un comédien, ça fait ça. Ferme ta gueule, tu sais quoi? Toi, t'es réalisateur, d'accord? Quoi? Mais ça, parce qu'on dirait un vieux livreur de pizza. Va répondre. Eh vas-y, mon frère. Eh, la tête de manière, tu fais la vaisselle pendant une soirée. Ouais, vas-y. Oh, salut Ryan Ben City. T'as trouvé facilement, tout va bien? Ouais. Ouais, bah, du coup, va t'installer, prends un boire, c'est à toi. Hein. Hey, fais que m'envoyer des blagues, François Civil, c'est un ouf. Hey, François, arrête de m'envoyer des blagues, là, c'est trop rigolo. Vas-y, je suis en casting. Bisous. Salut. Ça va, tu vas bien? Tu connais François? Ouais, ouais, on a tourné un film ensemble. Vincent, tu peux venir vite fait? Moi? C'est toi, je vais te montrer un truc par rapport. Ouais. Par rapport au fait que tu fais de la merde. Pourquoi t'as fait venir un vrai comédien? T'es con, quoi? Ben, un vrai comédien comme moi, quoi. Mais frère, tu vendais des forfaits téléphones volés la semaine dernière, d'où t'es comédien? Bon, bah, du coup, je crois qu'on. Faut peut-être pas me donner les indications qu'à moi, hein. On va peut-être. Ouais, alors, pas de soucis. Alors, Vincent, pour la scène, t'es en retard. Tu vas arriver. Non, comment je kiffe ta Rolex, frère? Ah, c'est cool, merci. Tu sais que je l'ai même pas payé, on l'a fait. Ah ouais? Tiens, moi non plus, j'ai pas payé la mienne. T'es une Rolex? Bah non. Bah, du coup, je l'ai pas payé, j'en ai pas. Yes. Alors, Vincent, t'es en retard, d'accord? Ryan, c'est ton frère, d'accord? Il te doit de l'oseille depuis très longtemps et ça te pèse, d'accord? Et ça te pèse, et même si tu l'aimes en tant que frère, il y a un moment, ça te. Hein, tu sais, bon. Donc, énervé un peu. T'es un peu, voilà, énervé avec les poings serrés, tu sais, le 9-3. Ok, ça marche, pas de problème. Ok, ça marche. Moi, je suis pauvre. Action! Ça te gêne pas que je t'attrape un peu? Non, tu peux y aller, j'ai fait de la cascade, je travaille au parc Astérix, frère. Oh, ça fait un an que tu me donnes mes thunes, elles sont où? Frère, écoute-moi là, putain, mais c'est toi qui es tombé au placard, c'est toi qui m'as laissé toute seule dans cette merde là! Je suis devenu leur pute, ils m'ont mis un putain de flingue sur la tête dans une putain de baignoire! Et si j'avais pas sauvé cette gamine, il m'aurait flingué là! Putain, pardon, excuse-moi, je coupe, hein, mais. Tu sais que tu m'as mis des frissons et tout, je trouve. Je suis limite ému. Ah, merci, frère. Bravo. Franchement, t'as un potentiel de ouf, mec. Ouais, je sais. Je vais te présenter 2-3 gars du business. Ouais, ou des meufs. T'as vu comme ça, on se connaît. Moi et les meufs. Ouais. Vas-y. On va faire ça. Ok, vas-y. Brother for life! Non, c'est ton but préféré! Eh, nous, on fait tout le temps! Et c'est coupé! Alors, Vincent, c'était nul à chier. Ryan, t'étais super. T'étais hyper sensible, très ancré, très sur tes appuis, et à la fois dur et vraiment une diction parfaite. C'était vraiment bien. Vincent, par contre, je pense qu'il y a un vrai problème de talent. Eh, tu connais quoi, toi, en vrai, là? Les frères, avec ta vieille casquette dégueulasse, là, on dirait un livreur de pizza. Eh, tu sais quoi, va me faire une 4 fromages, toi, là. Il est fou, ce putain. Non, mais attends, on peut la refaire aussi, c'est pas grave, y a pas de problème. Bah, tu sais quoi, je pense que je vais pas te prendre pour mon film. Ton film? Mais c'est mon film, frère. T'es même pas un vrai réal, de quoi tu me parles, toi? Eh, t'es au chômage, frère.
frère, de quoi tu fais le fou là? Attendez, calmez-vous les gars. T'es sérieux de parler de réel? Il y a même pas de film avec tes faux castings pétés. Toi, tu y es, il veut juste gratter des rôles, cette michetonneuse. Attends, comment ça, faux casting? Il est bien là, mais il fait des codes. Non, mais DJ, il veut faire des blagues, mais il est pas drôle en fait, tout. C'est... Non, faux casting, c'est le titre du film en fait. Ouais, aussi, ça parle de faux casting, c'est le titre du film. Ah oui, zéro effort, t'as même pas changé de mot. Bah, excuse-moi, Woody Allen, j'avais pas que t'étais scénariste. Oh, ferme ta gueule, toi, vous êtes sérieux? Je suis là, je me déplace à midi comme un fils de pute. Oh, regarde-moi, je suis un fils de pute, ma mère, c'est une pute, alors, là, je t'entends ta mère. Alors non, déjà parce que vous étiez à l'heure et c'est un très bon signe. Et votre mère n'est pas une pute, elle vous a appelé Ryan, monsieur Mazzetti. Et Ryan, ça veut dire les portes du paradis en arabe. En Arabie, la culture maghrébine, moi je suis fan. Et je me désolidarise, c'est son idée. À la prochaine. Oh, bah, t'encule! Mais non, frère, franchement. Eh, Brother for life, frère! Ferme ta gueule! Oh là, c'est, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, j'adore votre. Vas-y, ta gueule aussi! Ah, écoutez-moi bien, vous deux! Là, j'ai raté une journée de tournage pour votre merde, là! Là, je vais revenir chaque mois, vous allez me donner une enveloppe! Bande de salope, va! Hein. Nique ta mère! Ah ouais! Ciao, frère! Hein. Nique ta mère! Vas-y, c'est ta faute, là aussi, on va le payer avec quoi, le loyer maintenant? Avec des t'inquiète! Ah, vas-y, toujours, tu fais des réflexions, toi! Bonsoir! T'as les thunes, mon pote? Bah oui, on est déjà le 3. Eh ouais. Bah tiens, frère. Merci. Y'a tout, hein? Je repasse dans 15 jours, bande de salopes. Dans 15 jours! T'avais pas dit dans un mois? Ferme ta gueule! Bah de toute façon, y'a. Tu viens quand tu veux, frère, de toute façon, y'a plus besoin de clé, hein, je crois. Tu rentres, tu sors, tu fais ce que tu veux. Y'a plus de porte. Frère!